Le plus simple, c'est de dire que je suis un compositeur, c'est-à-dire que j'écris de la musique, mais je fais du bruit aussi, avec des sons électroniques, avec tout ce que je peux trouver autour de moi. Les bruits du quotidien m'intéressent aussi. Je joue entre l'abstrait et le concret. Rivage. Cachette, CD, ceinture, chambardement, changer, chiffonner, comment, avec un point d'interrogation, complicité, contenir, couler, coulure, coulisse, couvert, curiosité, chute. Je lis. Ça m'amusait de faire une chute qui monte tout le temps. Alors, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une rencontre probablement sentimentale, amoureuse. Cahier du soir. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est toutes les étapes d'une soirée entre un homme et une femme, enfin entre deux amants, qu'ils soient homme ou femme ou homme-femme. Chaque morceau représente une étape de ce dîner, c'est-à-dire ces conversations. C'est ne soyez pas timide. Hein. Ah oui, bien sûr, d'accord. Ne soyez pas timide. Ensuite, il y a. L'imagination des émotions, ça c'est le 21. T'as pas tous les titres à la fin ? Oui, il doit y avoir les titres quelque part. Peut-être une clarinette. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit la clarinette qui joue ça. Donc les musiciens choisissent leur rôle. Mmh. Mais ils choisissent leur rôle en tenant compte de ça, c'est-à-dire du texte, du titre qui dit « Ne soyez pas timide ». Mais ça veut dire qu'au début, ils sont timides. Puisque c'est indiqué « Soyez pas timide », ça veut dire qu'on suppose que tous les musiciens sont timides. Donc ils vont jouer avec une certaine timidité. On peut pas dire qu'il soit sûr de lui. En fait, c'est ça. Ils n'osent pas jouer, alors. Ils finissent par oser ou pas ? Un peu plus. Vers la fin, ils sont un peu rodés. Mais ton rôle, à ce moment-là, c'est d'expliquer. Alors, tu vas dire ça. Sans voir un peu comme on est. T'exagères. Ben non. C'est vrai que dans les premiers instants que l'on passe ensemble, on est toujours un peu timide. Une sorte de trac. Sur la partition, je lis les indications suivantes à propos de la pièce que l'on vient d'entendre et qui s'appelle « Ne soyez pas timide ». Et là, je regarde la caméra, le public. Thank you.
il s'agit, cette première partie, cette longue note, de vibrer, mais pas d'utiliser l'amplitude de bas. Ça vient plus tard. D'avoir quelque chose qui soit, par exemple. Par exemple. Ça, c'est un peu trop économe. C'est pas assez économe. C'est trop riche. Et surtout, oui, c'est ça, c'est trop riche. Et alors, surtout, il faut que tout le monde continue, là. Parce que sinon, ça fait pas. Ça Mon fait Dieu, pas. Je l'ai dit 10 fois. Ben oui, c'est bien. Mais il y en a des tas qui jouent pas là-dedans. Il y a justement. L'alto, le clarinet de basse, d'accord. Et oui, tous les autres, tous les violons, ouais. Et tous les autres bois. Ça doit se continuer. Ah oui. Il y a deux fois ça. Ça réussit totalement. L'école de la patience, ça c'est grave. Ouais. C'est plus difficile. C'est joli quand c'est deux petits. Oui, ça c'est marrant. Ouais. Ouais. Et puis ça c'est pareil. Hein. D'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil. Mais... Ah oui, c'est ceux-là qui continuent. Les bois. Exactement. C'est vraiment, c'est difficile d'arriver sur un mezzo forte. On a tellement l'habitude d'aller jusqu'à rien. Ouais, il faut pas que ça termine sur une attaque. Par exemple, là, tout à l'heure, c'est terminé sur une attaque de piano ou de grosse caisse. Il faut vraiment le. Ouais, exactement. Le laisser ouvert. C'est écrit, hein. Ouais. Il n'y a plus de marqué. Sinon des indications aux musiciens. Les peaux des deux perques, je suppose que ça veut dire percussion, sont recouvertes d'un feutre rouge. Ou encore, suite obsessionnelle de la perque, et 5 fois 7 mesures avant l'entrée du P. Je suppose que ça veut dire piano. Et plus loin, suite obsessionnelle de la perque et du P pendant etc. J'étais gosse pendant la guerre 39-45 et mes parents écoutaient Radio Londres.
Ce sont des souvenirs sonores fantastiques. Ces voix brouillées par des appareillages électroniques à travers lesquels on écoutait des messages totalement surréalistes. Et un jour, j'ai entendu une musique de bruit incroyable. C'était Pacifique 321 d'Arthur Honegger. Et ça m'a profondément marqué. J'ai d'abord étudié le piano au conservatoire de Versailles. Puis en 1953, je suis allée dans la classe d'Olivier Messiaen. En 1954, je suis partie à Darmstadt. Et c'était formidable, mes premières œuvres sérielles y étaient jouées tout de suite. Et là, j'ai rencontré toute cette génération de musiciens qui a fait la vie musicale d'après-guerre. Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Maurizio Kagel, Earl Brown. Mais la rencontre la plus riche d'enseignements philosophiques et esthétiques, ça a été John Cage. La musique sérielle occupait alors une grande partie de ma vie. Mais très vite, dès le début des années 60, elle m'est apparue dogmatique. J'ai donc entrepris des recherches harmoniques en contradiction avec le sérialisme et je suis devenue déviant. Je ne peux pas rester dans un système de création dogmatique. Je ne peux qu'en sortir. Dans les années 50, il y avait ce qu'on appelait alors l'avant-garde et elle s'articulait autour de trois axes. La musique sérielle, dans laquelle je m'étais d'abord investie, la musique électronique, qui émergeait à Cologne, et à Paris, la musique concrète, que j'ai choisi d'explorer parce qu'elle me semblait plus barbare. Coupe. Semble coupe dessus. Semblable dessous. Je suis dedans et dessous, semblable à surprendre, induire, semblable aussi, comme une longue vague courbe. Je vois. Peut-être. Où s'exprime. Tu peux éplucher les étoffes de matière. Qui prépare le milieu. Semblable. J'ai été élevée par des femmes. Et plus tard, j'étais encore et toujours entourée de femmes. C'est en vivant cette entente secrète que j'ai compris ce que c'était que la clandestinité. Alors je suis restée dans la clandestinité. Et là, dans l'insécurité totale, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai aimé, j'ai haï. J'ai accepté un peu, j'ai beaucoup refusé, j'ai parlé, je me suis tue. En somme, j'ai vécu. J'aurais pas dû. J'ai fait des films, j'aurais pas dû. J'ai écrit des textes, j'aurais pas dû. J'ai même dit ce que je pensais. J'aurais pas dû. Il faut dire que j'y ai pris mon plaisir. J'aurais pas dû.
J'avais lu un article sur la musique contemporaine qui était un article récapitulatif sur tout ce qui s'était passé pendant le XXe siècle. Et l'article, qui devait dater des années 50, disait il y a seulement deux personnes dont on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on n'en sait pas trop, c'est Edgar Varèse et John Cage. Donc, en lisant ça, je me suis dit, mais il faut que je cherche ces bons hommes. Et donc, j'ai acheté une place sur un cargo qui m'a emmené en hiver à New York. Voilà. Entre-temps, j'avais correspondu avec Varèse, j'avais écrit, j'avais téléphoné, etc. Donc, voilà, il m'a reçu. Et puis, on est resté quelques temps ensemble. Moi, je suis resté 8 jours à New York. Je l'ai vu tous les jours, on a fait des promenades. Il m'a montré son quartier, c'était un quartier italien à ce moment-là. Tout le monde l'appelait Maestro. Donc on a bu, on a mangé, on a parlé beaucoup de musique. Je lui montrais mes partitions, bon voilà. Et le bateau, c'était fantastique parce que comme c'était l'hiver, il y avait tout le temps des tempêtes. Il y avait des tempêtes frisantes, c'est-à-dire sans vagues, mais avec rien que des petits tourbillons qui s'envolaient en l'air, comme des herbes sur un champ sauvage. J'ai même fait à ce moment-là, comme il y avait beaucoup de temps, j'ai même fait des pièces pour piano qui, pendant ce voyage-là, qui s'appelait La suite hétéroclite. En 1953, Pierre Schaeffer et Pierre Henry m'avaient proposé de les rejoindre au groupe de recherche musicale. Je voulais d'abord terminer certaines de mes pièces instrumentales, c'est pourquoi je ne les ai rejoints qu'en 1958. Immédiatement passionné par ces nouveaux moyens, j'ai tout de suite composé Études aux accidents et Études aux sons tendus, qui ont été joués cette année-là, à l'ouverture de l'exposition universelle de Bruxelles. Observer la nature alors. Non. En 1963, avec ma pièce Hétérozygote, j'ai glissé hors du dogme de la musique concrète qui consistait à composer des musiques à partir de sons inventés dans les studios. L'arrivée du magnétophone portable m'a permis de sortir, prendre les sons de la rue, prendre les sons de la vie. Il serait plus satanique. La prise de son, c'est pour moi le premier acte créatif. Aller capter les sons à l'extérieur, c'est faire entrer dans mes compositions la société, l'intime, la sensualité. Je prends des bruits de la ville, des paroles des gens qui passent, des sons de la maison. Je suis une oreille qui traîne, qui sélectionne et qui saisit les sons au vol, comme on prendrait une photo. Une fois rentrée dans mon studio, là, je travaille plutôt comme un peintre. Je traite ces sons comme des objets trouvés et je les introduis dans une forme musicale.
Je suis très attentif au son parce que j'ai un sens du beau, c'est-à-dire un sens de l'esthétique des sons qui est le mien et qui me fait dire bon, ben ça, ça me fait plaisir. Et plaisir, c'est pas anodin. Plaisir, c'est pas superficiel. C'est une chose très forte. C'est-à-dire que c'est une chose qui donne la possibilité ou la permission d'envoyer. C'est-à-dire, à ce moment-là, si ça me fait plaisir, je sais que ça correspond à ma sensibilité, que ça peut correspondre à d'autres sensibilités, parce que je ne suis pas unique dans mon genre, et que je peux l'envoyer. C'est le train quand il passe. Enfin, transformé, hein, pas mal. J'ai fait après le marché de Montreuil. Ça me permet de mélanger les voix de robots de la foire du trône avec la voix de la marchande de poissons du marché. Et finalement, les sons qui s'entrechoquent, c'est-à-dire qui sont issus de la vie et qui en même temps se rencontre comme les idées se rencontrent dans la tête. C'est-à-dire, d'un seul coup, on a un cataclysme, des images qui passent à toute vitesse. Et pour moi, la musique, c'est un petit peu ça. Pour mon installation « Cycle des souvenirs », j'ai travaillé avec des souvenirs sonores et visuels anodins qui se sont inscrits dans ma mémoire et qui représentent des moments de ma vie. Et la bande musicale, composée de morceaux de réalité et de silence, est gravée sur 6 CD qui se superposent dans le temps de façon hasardeuse.
suis allée collecter des sons et des images aux arènes de Lutèce, où j'allais jouer étant enfant, place de la Contresca, où j'attendais l'autobus, quai Saint-Michel, où j'allais acheter du papier de musique, gare de l'Est, où je prenais le train en vue de mes concerts ou de mes créations en studio en Allemagne, Vintimille, où je passais des vacances en équilibre sur la frontière, et bien sûr, ma maison et mon studio. Je suis née, je crois, à Royan le 12 février 1907. Lorsque je suis née en 1898 à Montauban, le temps était à l'orage. Je ne suis pas née le 5 février 1924. À ma naissance, à La Ciotat, le 22 août 1900, mon grand-père était toujours cornet à pistons dans une caserne de douaniers. Si je suis née le 28 juin 1937, c'est que ce jour-là, j'ai pris une photographie. Mais presque rien, je ne sais pas si ça existe. Comment savoir ? Ainsi, continue la nuit dans ma tête multiple. Pour ma pièce, presque rien ou le lever du jour au bord de la mer, j'étais en 1967 dans un village de Dalmatie, toujours avec mon magnétophone et mon micro, et notre chambre donnait sur un petit port de pêche encastré dans des collines, ce qui lui donnait une qualité acoustique extraordinaire. Juste avant l'aube, le silence commençait à se meubler des sons de la vie qui reprenaient ses cycles. Le même pêcheur, la même bicyclette, le même âne. Alors j'ai laissé le micro sur le bord de la fenêtre. Et toutes les nuits, de 4h à 6h, j'ai enregistré. Plus tard, dans mon studio, j'ai composé en intervenant sur cette réalité de la façon la plus cachée possible. Et j'ai dit... C'est du paysage sonore. Le cendrier, si on le détourne de sa fonction initiale, peut devenir un réceptacle pour des fragments de papier sur lesquels j'ai inscrit des notes, des accords, des silences, des rythmes. Pour ma pièce « Jeu du hasard et de la détermination », j'ai dit « Le cendrier sera mon logiciel et je tirerai les papiers au hasard pour construire la bande et la partition instrumentale. » De 30, ce qui nous fait 16, 30 plus. Puis avec une détermination d'en faire, j'ai décidé que la pièce ferait 21 minutes, qu'il y aurait des sons qui iraient de 2 secondes à 45 secondes, et tout bien pesé, après simulation multiple, qu'il me faudrait 371 éléments.
Alors je me suis laissée guider par le cendrier sans tricher. Enfin, du moins, pas trop. J'aime bien jouer avec les images sonores comme on joue avec les mots en poésie. Les sons disent autant que les mots. Et cette articulation du langage des bruits, je l'ai appelée musique anecdotique parce que j'ai voulu revendiquer l'anecdote dans un monde musical dominé par l'abstraction. La partition, elle se développe d'elle-même. C'est-à-dire que chaque jour me propose la suite de ce que je vais faire, sauf que ça dure des mois, hein. Généralement il y a beaucoup de notes. Donc ça me propose, chaque séquence m'en propose une autre, et comme ça je vais vers la fin en vivant moi-même l'aventure de cette partition, et en vivant moi-même ma vie. C'est-à-dire que ça continue l'idée d'autobiographie, effectivement. Même si une partition est complètement abstraite, elle a ce caractère de moi au départ et de moi à l'arrivée. Dans quel état suis-je ? Parce que dans un jardin, il y avait des fleurs qui étaient comme un grand rêve. Et moi, j'étais tout petit. Ce jour-là, je mâchais un grain de riz qui se trouvait dans ma bouche et dont la provenance ne me posait pas de questions. J'observais la fille d'à côté qui se balançait aux branches des arbres avec son short jaune. Elle me regardait. Je ne comprenais pas l'intérêt qu'elle éprouvait à se balancer ainsi. Elle était toute molle, avec ses mains qui semblaient impuissantes à supporter le poids de son corps de toute jeune fille. Je pensais souvent à une fille. Et ce que j'aimais surtout, c'était ses fesses qui resplendissaient dans l'herbe. Je ne sais plus si je les voyais de loin ou dans mon imagination. C'était un mélange d'eau, de bois épais et de moustiques dans la chaleur. Il n'y avait pas un souffle d'air et j'étais en barque la nuit sur un lac. L'eau était lisse et on n'en voyait pas la surface, on voyait seulement au-dessous, très profondément, le ciel prisonnier de l'espace. Je me penchais sur l'eau. J'y voyais quelques nuages et j'avais de vertige. Souvenir de chaleur, j'ai parfois l'impression de n'avoir vécu que l'été. Sur mon lit, dans la nuit chaude de la chambre, sa peau était lumineuse. Et au milieu de cette blancheur, les poils de son sexe faisaient comme un vide qui rejoignait la nuit. Thank you.
J'éprouve un énorme intérêt pour les confrontations avec la société, pour toutes ces choses qui nous bouleversent intérieurement et qui modulent le spectacle de la vie. Je suis partie faire des reportages sonores en Algérie, je suis allée au Portugal après la révolution des œillères, je suis allée à Madrid. J'écoute toujours le bruit du politique. J'ai traversé tous les mouvements musicaux, j'ai abordé les créations radiophoniques Hörspiel, le théâtre musical, les films. J'ai traversé tout ça et j'en suis arrivée à considérer que mes expériences passées, je pouvais les revisiter pour mettre ensemble des couleurs qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et j'ai appelé ça l'exploitation des concepts. C'est vrai pour mes récentes compositions instrumentales ou électroniques, puisque l'envie de travailler dans ces deux formes d'imaginaire ne m'a jamais quittée. C'est vrai aussi pour les rencontres que je mène avec de jeunes musiciens électro ou créateurs de sculptures sonores, aussi différents dans leur démarche que Eric M. ou Christoph Schläger, par exemple. Celui-là, je l'aime bien, moi. Laufen. Mm. Können wir es auswählen? Das mm. oder das? Wo ist das? Das ist hier. Ah, nein, da. Noch zu schnell? Nee. Vas-y. Jetzt. Hopp. Les difficultés sont quelquefois les enchaînements qui sont trop brutaux, parce que c'est aussi des machines qui sont brutales. Donc, il fallait faire des imbrications d'idées. Donc, je lui ai demandé d'improviser, puis on entendait tout de suite que c'était lui, il peut improviser sur chaque instrument à partir de son clavier. Après, on les superpose et on fait un mixage en entendant les autres choses qu'il a faites avant. Je pense que c'est spécial. Oui. Alles zusammen. Nee, nur die beiden. Und die halben und die ganzen. Aber das ist zu kurz. Kannst du die beiden spielen zusammen? Ja, die Bleche ja. Un, deux, trois. Thank you.
pour moi, la création, c'est du temps. Même chez un architecte ou un peintre, c'est une façon de dévoiler le temps. C'est encore plus net dans la musique, bien sûr, puisque ça se développe dans le temps. Et quand je dis « je fabrique le temps », c'est parce que je sais que je peux l'allonger ou le rétrécir. Et ça vient aussi de l'intuition, comment on attire l'attention sur quelque chose et comment ce temps-là, qui dure une seconde, peut être prolongé et devenir 5 minutes comme ça. Et donc fabriquer du temps, c'est fabriquer un temps qui n'est pas le temps réel. Dans la machine ce soir, je la nettoie et puis je le remets. Ah oui, d'accord. Là, c'est juste pour pouvoir travailler que je le garde. Pulsation grave, c'est le son de la fin. Et là, donc, il y a une espèce de grand crescendo rythmique. Et moi, sur la dernière séquence de grave, je fais réapparaître des petits rythmes. D'accord, ça, on l'avait déjà, ça. Oui, ça, on l'avait fait. On peut arrêter là. J'ai été discret sur le Beethoven. Hein. On l'a pas reconnu. En fait, peut-être que ça serait mieux d'avoir les voix dans le prochain. Les voix que je t'ai filées. Ouais. Parce que j'ai essayé là et je pense que. Non, mais là-dessus, ouais. Sur les petits bruits, ce qu'on appelle les petits bruits. Sur 4. Ouais. Ouais. D'accord. Alors attends, moi je vais me faire mes notes.